Dans l'émission Anticosé à sous plateau Espérance TV. Et c'est un plaisir pour moi et Pigration d'animer l'émission Tala. Mm-hmm. Et nous les profiter pour saluer et Serge et puis Maud et puis ici qui là qui a fait un travail remarquable à la technique. Et nous les dire bon courage et puis travail Tala et puis persévérer. Mm-hmm. Nous allons saluer les champs, la Martinique et Guadeloupe et Guyane. Nous allons aller par côté Miami, Haïti. Nous allons aller par côté Orlando et puis nous allons aller par côté Aouba et Tikini en famille qui pas qu'à mentir un épisode dit Anticosé. Anticosé. Alors oui, c'est la famille et Gironville, nous allons saluer. Ah ouais? Et puis c'est maman par côté Saint-Martin, il n'y a pas oublié aussi. En tout cas, Gracien, bienvenue dans les plateaux. Comment vous êtes? Comment vous êtes? Eh bien, moi bien, et puis la grâce bon Dieu, moi je vous bienvenue aussi. Merci. Et puis, je vous souligne que nous sommes en communauté, en métropole. Hein? Oui, qui a gardé mission 1. Il a eu l'occasion d'y voir des bons petits encouragements à moi. Et les mots sont en personne, en chair et en os. Ils sont bien contents d'y voir moi. Je salue toutes ces mamans là. Et puis, je dis merci, bon Dieu. Parce que ouais, la technique aujourd'hui, jour, qui permet nous d'y être plusieurs côtés du coin globe là, la Terre. Nous ne pouvons pas être nous, mais nous sommes nous, nous sommes en émission. Hein. Et je remercie bon Dieu pour cela. Et puis je dis tout le monde en bonne série d'études, parole bon Dieu. Merci. Lorsque vous êtes à côté de la France, je vous bientôt quand vous voyagez. Je salue tout ce monde là. Moi et puis toute l'équipe. En tout cas, nous, en disant un grand thème, hein, dans le causet avec le Christ, et nous a fait combien sous thèmes qui est vraiment passionnant, puisque nous parlons de le causet du berger, nous parlons de les causets à venir, nous parlons de la cage, et puis je dis, hein, nous parlons voir la face de l'orfèvre. Avant nous aborder le thème Tala, eh bien, grâce à prier pour commencer. Papa Dieu, nous avons loué, nous avons glorifié, non, parce qu'on a ben nous des occasions pour nous pencher comme nous en les paroles là qui la vie, qui chemin et qui vérité. S'il plaît, nous commandons, débarrassez-nous de tout esprit préconçu, de tout engourdissement, carcassement qui peut blocher la connaissance, mais que le Saint-Esprit éclaire nous, guide nous, convainque nous, corrige nous, instruit nous, de telle sorte que nous ça comprenne volonté et pour nous apprendre un main comme ou un main nous. Nous prions en nom Jésus. Amen. Amen. Oui, alors, tout le monde a ouvert la Bible pour nous étudier la parole de Dieu. C'est important, nous vivons dans les derniers jours. Donc, il faut que nous fassions bonne provision. Voir la face de l'orfèvre. Gatien, là, pour nous te méditer, là, le passage-là, qu'a trouvé quoi dans 2 Corinthiens 3, 18, un passage formidable. Oui, alors, texte-là, qu'a dit nous dans 2 Corinthiens 3, verset 18, nous tous qui s'envoilent sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Dans d'autres versions, il est transformé de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. C'est un type de divergence, mais qui a dit même bagaille là à peu près. Oui, c'est un texte qui est formidable. Oui. Et pour nous entrer en dedans et texte là, bien. Et premier texte qui a venu, c'est Genèse 1, 27. Oui. Genèse 1, 27. Et oui. Auquel il a dit que l'Éternel Dieu, le Seigneur Dieu, forma l'homme à son image, hein, de la poussière de la terre, et il soufflait en araignée un souffle de vie, et devient une âme vivante. Genèse 2, 7, c'est ça. Alors, expliquez-nous, Gratien, créé à l'image de Dieu, c'est qui ça, c'est qui manière? Alors, moi, c'est Genèse 1, 27. Hein. 27 créé donc à l'image de Dieu, puisque la Bible dit nous comme ça,
que bon Dieu crée nous de la poussière de la terre. Mm-hmm. Maintenant, mais là, nous allons aller beaucoup plus loin comme ça. Nous allons voir que, mon Dieu, là, je dis, faisons l'homme à notre image. Maintenant, donc, nous allons en principe refléter bon Dieu en disant caractère lui, et physiquement, mentalement et puis spirituellement. D'accord. Mm-hmm. Alors, ça, c'est important, hein, puisque là, il dit faisons, mm-hmm. ça veut dire qu'il y a plus qu'il y en a. Oui, il y a plus qu'il y en a. Donc, c'est la Trinité. Le oui, Père, oui. le Fils et le Saint-Esprit. Mais, je veux rappeler que l'objectif, au départ, nous créer à l'image de Dieu, physiquement, mentalement, spirituellement. Mais il ne faut pas nous oublier que péché a fini et puis dénaturer l'image de Dieu en dit de nous. Donc, il faut que nous apprenions à reconnecter avec nous, qu'on exactement nous contempler visage noir dans le miroir, contexte là de nous, maintenant, pour nous, péché. Maintenant, retrouver la gloire de Dieu, puisqu'il dit le phénomène de la contemplation, c'est d'y être transformé. Oui, qui menait ça possible pour nous contempler Jésus, contempler mon Dieu, et puis pour nous vivre, retrouver l'image de là que Satan oblitéré, on dit dans nous, le péché dénaturé. Oui, alors donc, l'envie de péché qui a éloigné du visage du Christ et de la vie du Christ. Donc, maintenant, envie en harmonie et puis bon Dieu. C'est envie qui produit par l'esprit. Et comme l'esprit même c'est Dieu, c'est l'esprit qui a façonné nous à l'image de Dieu. Et c'est pour ça, maintenant, nous avons vu que si nous vivons selon l'esprit, nous fils de Dieu et nous n'y la vie. Mais si nous vivons maintenant sans l'esprit, nous mort. Oui. Donc, alors nous n'y Romains par exemple. Romains 8, 29. Oui. Qui a parlé nous ici en effet, oui. et ceux qu'il a connus d'avance. Oui, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ici, nous n'y avons un mot prédestination qui s'y met en grande confusion dans le monde croyant. Oui, oui. Dans le monde croyant. Donc ici, ben, mon prédestination, c'est que dans la présence de Dieu, bon Dieu prévoit ouais. que tout le monde qui a accepté Jésus, qui a devenu semblable à l'image de Dieu. Donc il n'a pas fait en sélection. Il n'a pas fait en sélection. Ça veut dire que aussi vrai ou tomber dans le péché, dans le bourbier, ou vautrer dans le bourbier, le reconnaître situation pour accepter Jésus-Christ, objectif Jésus qui a été le même de façon à ce qu'on vienne semblable à lui. Oui. C'est alors, ça. Ça est évident hein, que nous toutes la corrompus par le péché, mais Dieu en dit dans tout désir lui, qu'a désiré de restaurer nous à image lui, surtout à l'état d'origine. Oui, c'est exactement cela. Et là, donc, nous croyons que ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est pour ça, nous, maintenant, dans Genèse, nous, Dieu dit faisons. Faisons l'homme à notre image. Donc, nous avons les trois composantes de la divinité en action pour restaurer l'homme et pour ramener l'homme à l'image de Dieu. Oui. C'est ça. Alors, Hélène G. White, ben, un petit passage, la soupe et libre, ben, tout de suite après. Il y a une autre dimension. L'image de Dieu doit être reproduite dans l'humanité. L'honneur de Dieu et du Christ exige que son peuple atteignent la perfection du caractère. Ça fort, et ça est important, parce qu'elle nous a rappelé les objectifs de la rédemption. La rédemption, c'est qui ça? Le rachat de l'homme pour ramener l'homme. C'est numéro un, ramener l'homme à la perfection originelle. Rappelez que l'homme dans le jardin d'Éden, maintenant il était ni toute la gloire de Dieu, il était enveloppé dans la gloire de Dieu, il était capable dans un état de sainteté. Le péché, maintenant, séparer l'homme du bon Dieu. La rédemption, c'est ramener l'homme à des stades de la vie en Éden. Maintenant, rééquilibrer les facultés mentales, physiques et spirituelles de telle sorte que le bon Dieu atteint, c'est-à-dire la perfection. L'homme retrouve la perfection. Oui, en tant que chrétien, grâce à nous, oublier vite hein, qui nous a dit dans un drame cosmique, le grand conflit cosmique, était qu'on a deux entités qui ont réclamé nous. Exactement. Le mal, le bien, et Christ, le diable, etc. Et en disant tout cela, bon Dieu fait plan à nous, les vous et garçons, et puis ça restaure nous, et c'est là pour nous
choisir le bon choix. C'est important pour dire, souligner le conflit cosmique. Parce que assez souvent, nous avons des difficultés à rebondir, à comprendre bon Dieu, à comprendre Jésus. Mais mon Dieu, elle est tellement loin qu'il fait garçon, il vini. Hein? Marchant la terre pour nous un exemple. Mais il est toujours plus facile maintenant de se laisser tenter et puis d'y faire le mal. Oui. Et c'est pourquoi. Quand on nous parle de le grand conflit cosmique, nous avons un exemple flagrant, par exemple, là nous parlons de la foi dans le feu purificateur. Ah, ça oui. veut dire que, hey, bon Dieu, nous conseille là, et puis et Satan qui vient nous présenter quoi, et puis bon Dieu qui a dit comme ça. Est-ce qu'il ou il manque serviteur ou moins job? C'est un homme qui est intègre, etc. Et tout ça, et ça belle. Bon Dieu qui a dit Satan, merci ou il manque mon serviteur job. Et puis Satan qui a fait plaisir, il dit, oh, mais pas de problème. Pas de problème, à tout le monde, c'est un homme qui a béni. À partir du moment, nous allons inviter ce moment là à lire dans Job, chapitre 1, et puis nous allons voir ça. Et puis bon Dieu qui a dit, Satan qui a dit, mais si vous avez été béni, si vous avez été, ou pour prendre tout ça, il dit, ça, c'est sûr que nous avons maudit en face, il peut que je me servir encore. Et là, nous avons vu que Job a tombé en disant en conflit et dit que. Il ne peut pas connaître l'éternel et les aboutissants. Qui ça qui a fait là? Mais il est dans l'épreuve. Il est dans l'épreuve. Mais là, nous lisons toute l'histoire de Job. Nous voyons qu'en dépit de l'épreuve là, Job restait fidèle. Par exemple, dans Job chapitre 23, verset 1 à 10, c'est un dialogue qui est important. Job qui a dit, en milieu de souffrance, il a dit, « Mais monté au nord, m'allé au sud, m'en viré à l'est, à l'ouest, m'en arrivé vers le midi, m'en cherché, m'en paroué. M'en paroué. Mais m'en savi là. Mais m'en savi là. » Et puis, écoutez, qui c'est qui a dit? Et en dépit de tout ça, Job fait confiance à bon Dieu, malgré tout. Et Job est déterminé à suivre bon Dieu, quelle que soit l'issue de la chose, parce que lui-même déclarait, si bon Dieu a continué à éprouver, il a assuré qu'il a sorti pire comme l'or. Ça semble extraordinaire. Oui. Alors, par rapport à l'épreuve que là, Job a passé là, oui. Et ça veut dire que nous savons les amis venir voir tout ça. Ils ont commencé à questionner comme des bons chrétiens. Exactement. Et qui péchait ou pas confessé. Qu'est-ce qui mal ou fait? Non. Puisque des fois, quand si bien épreuve, ça veut dire en quelque part, ouais, ou faire un bagage, ou désobéir. Ouais. Et alors, donc, c'est le propre de l'homme. Ouais. C'est le propre de l'homme. Mais est-ce que là encore, nous ne pouvons pas changer la mentalité à jour du jour? Là, nous avons un monde d'hôpital, la Kaili. Et puis, on a dans un état de souffrance. Pour quelle raison, premier bail, qui vient en tête, nous empêcher, mon ami. Mais c'est justement. Donc, mais c'est ça. Et c'est cette série d'études comme ça qui permettent nous d'essayer de changer le regard, nous, comportement, nous, et puis conviction, nous parce aussi. Que même si Job s'était empêché, mais c'est empêché ou repentant. Mais on ne peut pas dire, puisque c'est ça qu'a dit comme ça, c'est un homme qui était intègre. Oui, c'est ça. Qui était qu'à suivre mon Dieu. Ce n'est pas un homme qui dit ça, c'est bon Dieu qui dit ça. Qui était qu'à détourner quoi, du mal. C'est bon Dieu qui dit ça. Du mal. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé qu'à tremper dans le péché, et puis bon Dieu ne peut pas y aller. Mais oui, absolument. Mais nous croyons que c'est bon Dieu aussi qui bat Satan autorisation. Maintenant, dit, touchez bien, dit toucher. C'est bon Dieu qui a autorisation. Et puis, à la suite de cela, nous comprenons aussi que bon Dieu, parce qu'à jamais la Dieu Ishili, et quelles que soient les circonstances, bon Dieu qui a l'épreuve là. Et il a nous les moyens pour nous. Est-ce que nous peut dire, malgré, et Job, c'est un homme qui était. Pas au fait. Comprends, parce que c'est un péché. Mais c'est un péché. Un péché. C'est un péché, on sauvé par grâce qu'on nous touche. Oui, mais est-ce qu'on peut dire comme quoi que l'épreuve t'a là, fait du bien, fait un pas de plus? Ah, mais oui. Et là, nous, quand l'histoire lit, il a dit que je vois moins de temps par le dire. Yes. Mais maintenant, je sais moins où. Et je sais qui est mon ouïe. Mais je me rappelle aussi. Expérience Job là, c'est expérience tout être humain qui est passé, quel que soit, à quel niveau que ce soit, faut nous passer par là. Parce que faut nous passer par le cause. D'accord. Si nous ne passons pas là. Très bien. Alors, nous avons dit tout le monde qui a passé par les difficultés et la foi dans le feu purificateur, c'est
persévérer et puis ça bon pour nous des bases solides. Très bien. Et pour là où ces preuves là qui venir pour les promesses qui remonter pour fortifier nous Gatien. C'est cela. Mais à dans épreuve là, c'est vrai que nous pas qu'on est tenant et les aboutissants. Ça difficile parfois dit pour nous dit concevoir visage Jésus à dans épreuve là. Mais nous croyons que Moïse là il quitte l'Égypte. Il dit qu'il partit et puis foi, parce que Dieu te fixé en laissant lui qui rémunère, bon Dieu. Et nous, quand ouais, Job, au milieu, en dit dans l'épreuve là, maintenant, il laissait Dieu bracher en la Jésus-Christ, hein, oui. En la bon Dieu, parce qu'ils savent que pas ni la justice en dit dans bon Dieu. Et c'est ça qui force nous. Alors, qui leçon qui a dégagé Adam parabole dans la? Et nous avons parlé des dernières paroles de oui, Jésus. Oui, les dernières paroles de oui. Jésus. Nous oui. savons que Jésus, les dernières paroles, il fait c'est à dans le temple. Nous ne parlons pas des paroles sur la croix. Nous avons parlé avant la croix. C'est à dans le temple, il enseignait. Il enseignait la parabole des dix vierges. Oui. Et il enseignait aussi la parabole des serviteurs. Alors, qui c'est qui a dégagé dans la parabole des dix vierges là, rapidement? Oui. Alors, dans la parabole des dix vierges là, il y a rapidement, c'est Matthieu 25, nous avons vu qu'il y a deux groupes de personnes qui. Appelé des vierges. Oui, Matthieu 25, verset Yon et Yon à... Oui, Yon en a 12. Oui. Ouais. Royaume des cieux comparé à 10 vierges et prend l'ampio pour aller à la rencontre de l'époux. Ça, c'est l'image là. Nous pas qu'à une tambourse, toute image là. Oui. Mais nous avons retenu qu'il y a deux groupes de monde, il y a 10 vierges. Il y a 5 qui étaient sages, 5 qui étaient folles. Maintenant, à quel moment il est arrivé à faire la différence? Les 10 vierges. Il y a 10 sages et 10 folles. Non! 5. 5 sages et 5 folles. Au départ, il y a 10 vierges. D'accord. 10 vierges. 10 chrétiens qui partent à la rencontre de l'époux. Oui. 10. C'est-à-dire, ces mondes-là, ils ont tous les 10, des groupes-là, les 10 sauvés par grâce. Ils ont accepté Jésus en disant la vie. Ils ont reçu le pardon péché et puis ils ont acheminé. Mais il s'est trouvé que dans les 10-là, il y a 5 qui folles et puis 5 qui sages. Alors, qui ça qui passe? Ça qui fait la différence là, c'est verset 5 là. Oui, oui. Libanon. Oui. Alors, verset 5 là. Matthieu 25, 5. Oui, oui. Oui. Ça, c'est important pour nous comprendre voilà. Que au départ, les 5, les 10, la vierge, il y a une lampe, il y a une huile et tout bagaille bon. Comme les poutardets, tous s'assoupirent et s'endormirent. Les poutardets, tous s'assoupirent et s'endormirent. Dans le temps, il y a un changement qui passait. Oui, un changement qui passait. Ok, d'accord. Au milieu de la nuit, on cria, verset 6, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges, notez bien, se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Ah, là, nous apprenons là maintenant qu'il n'y a pas de folle. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile. Qui ça qui passe? Tout à l'heure, à m'a souligné qu'au départ, il y était 10 vierges. C'est-à-dire, ils ont accepté Jésus, ils ont recevé pardon de péché. Mais ça ne suffit pas. Oui. Ça n'a pas qu'à suffire. Parce que là où ils recevaient pardon des péchés en Jésus-Christ, il faut tout accepter aussi de suivre Jésus. Suivre Jésus. Et suivre Jésus, c'est qui ça? Suivre Jésus, c'est accepter de recevoir la puissance pour être pardonné péché et puis recevoir la seigneurie Jésus puis vivre dans la vie. Ça veut dire tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a étudié. Maintenant, quand on regroupe quoi, ou qu'on nourrit quoi de la parole de Dieu. Et là, on nourrit quoi de la parole de Dieu. Qui ça qui est arrivé? Ou qu'on forge quoi un caractère. Et c'est ça qui est primordial. Donc maintenant, les vierges folles, maintenant, atteignent un caractère semblable à celui de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont négligé l'Esprit Saint, on dit dans la vie, pour aider. Parce que l'Esprit Saint, qui a convaincu, qui a corrigé, qui a instruit, et qui a préparé pour recevoir Jésus. Alors, là, il dit, voici les poules, levez pour nous les jeunes. Et là, ils viennent pour lui mettre en pied au problème. Ils ont pas d'huile. Ils ont pas d'huile. Et mais ils ont demandé, c'est les autres chrétiens, pour qu'ils ne peuvent pas partager l'huile. Ils ne peuvent pas partager l'huile. C'est l'amour fraternel. Parce que lui, là, d'abord, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit, maintenant, qui a permis tout d'unir un caractère chrétien. Vous savez ça? Donc, caractère, moi, je ne peux pas partager pour vous. Je ne peux pas avoir un caractère, moi. Et vous ne pouvez pas avoir un monde non plus. Je ne peux pas avoir un caractère, vous ne pouvez pas avoir un monde non plus. Donc, maintenant, les sages, maintenant, recevront l'Esprit Saint et ont produit le fruit de l'Esprit qui est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et puis la tempérance. Donc, ils vivent dit cela. Là, nous avons regardé par rapport à là, nous avons le chiffre 10, c'est le chiffre de la totalité de Dieu, 10 commandements. Et tout cela. Maintenant, et c'est l'ensemble.
et de l'Église mondiale. Est-ce que vous ne pouvez pas dire que c'est déjà en avant, goût par Bolta Kabanou, que les églises, le peuple de Dieu, qui s'est séparé au moins en deux, qui a mis ça, qui, tout le monde au départ, t'es bon, et puis dans le temps, il a changé physique aux épaules. Et ça qui est important, c'est qu'en dedans parabole là, Jésus s'est pété prendre l'eau comme symbole du Saint-Esprit. Il s'est pété prendre la colombe. Le vent aussi. Il s'est pété prendre le vent ou bien dix fées. Il prend l'huile. Il prend l'huile. Et vous faites bien dire que l'huile là, qu'elle a le pouvoir de la guérison, le Saint-Esprit. Ou quoi changer les malades, la tête tombée, il t'est passé l'huile en l'air. Oui. Et Pierre vous recommande ça aussi pour la guérison des malades. L'huile, c'est symbole de l'onction. L'onction. Ah, on, c'est qu'à ouin d'huile. Babli, t'es qu'à l'huile qui a glissé en l'air. Et ouin, c'est Ishtia aussi. Symbole du Saint-Esprit. Absolument. Et puis l'huile, c'est symbole du témoignage, reflet de la lumière. Ça veut dire qu'un chrétien qui nie le Saint-Esprit, et pour nous, toutes ces bagailles-là, et c'est important. Alors, donc, nous avons souligné que maintenant, Hélène Watt, en harmonie avec le texte de la Bible, a dit l'huile aussi, c'est le symbole du caractère. Oui. Caractère. Et c'est l'Esprit Saint qui a produit un caractère. Oui. Ça veut dire qu'il y a deux étapes. Accepter Jésus comme sauveur personnel, maintenant, mais accepter Jésus aussi comme Seigneur en dit dans la vie, c'est-à-dire le maître qui a géré la vie. Et c'est ça qui a permis tout pour du caractère, parce que le caractère, c'est l'ensemble des faits, des gestes, des paroles, de la conduite qui se traduisent un style de vie. Très bien. Là, on regarde, nous avons goûté, et puis là, on dit dans le même chapitre 25 ans, on est arrivé au moment, bon Dieu, qu'a fait. Et en séparation. Brebis et pibouk. Brebis et pibouk. En deux mots, dis-nous qu'est-ce qui passait là, Gratien. C'est même notion. 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Brebis et pibouk. Bon, les brebis qui symbolisaient, là, bon Dieu, qui a reconnaître un caractère chrétien semblable à celui du Christ. Oui, dans la soumission, humilité, la tout cela. Les brebis. Et humilité, comme Jésus. Oui. Mais les boucs, c'est les têtus des mondes qui vivent selon maintenant. Selon le train de vie, de la puissance, de l'égarement de l'air de ce monde qui prôné par Satan. Les boucs. Oui. Alors, moi, j'ai deux questions. Bon. Oui. Les Jésus étaient sur la croix, ils étaient de là-haut. Il y en a à gauche, il y en a à droite. Oui. Est-ce qu'ils étaient qu'à symboliser ça qui a été fait et les Jésus qui a été viré? Parfaitement. Mais parfaitement. Mais parfaitement. Parce que l'autre là-haut qui était là, maintenant, il était qu'à vociférer, il était qu'à faire bagarre, il était qu'à insulter. Mais l'autre là, maintenant, il prend et puis il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Maintenant, nous voyons qu'il acceptait Jésus. Là, là, quoi? Il acceptait. Et l'autre là, maintenant, continue à vociférer. D'après chanson sur ça, lui. Ça qui était à gauche, là, qui a symbolisé les boucs. Les boucs. Ça qui était à droite, là, les brebis. Bon, mais critère là, nous a passé dans les lacroix, c'est très bien. Mais critère là, là, est-ce que Jésus qui apprend pour lui dire comme ça, les brebis, etc. C'est, mais c'est le salut par les œuvres. Voilà, mon carreau, on va venir de loin. Mon carreau, on va venir de loin. Maintenant, c'est nullement. Parce que là, on qui a vu faire les lacroix. Il était crucifié. Ouais. Pas même en fait, l'eau était porté par Jésus pour te soulager. Non, maintenant, il fait une déclaration de foi. Il dit, souviens-toi de moi parce que mon cas reconnaître quand son homme Jésus. Jésus dit, je te le dis aujourd'hui, t'as fait rien. Maintenant, le salut ne s'obtient que par la foi en Jésus-Christ. Ephésiens 2, 8, vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres après que personne ne se glorifie. C'est ça le salut. Maintenant, le bon Dieu qui a demandé maintenant la pratique d'œuvre. La pratique d'œuvre maintenant juste, c'est ce que bon Dieu lui-même a décidé, Ephésiens 2, 10. Des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Afin que personne ne se glorifie. Oui, personne ne se glorifie. Donc ça veut dire que l'air ou qu'a et l'ont sauvé, automatiquement. Puisqu'on est le Saint-Esprit, les œuvres qu'a développées. On a produit des œuvres. Mais on a fait ces œuvres-là pour obtenir le salut, pour bénéficier de la grâce, mais c'est parce qu'on a grâce. Mais plus encore, ces œuvres-là, pas qu'à venir dire. C'est simplement ils ont là. Donc, si on a fait ces œuvres-là, et pour les faire quoi, c'est un intéressant. Il n'y a pas quoi faire. L'intéressant. Eh bien, nous avons demandé ces mots, on a dit, prends ces paraboles-là vraiment au sérieux. Pour montrer que c'est à présent pour d'en vivre en nous, pour nous faire le bon choix, et puis quitter l'esprit et travailler nous. On nous parle des sages. Alors, les sages, c'est qui les sont, monde
qui ça des passages là qu'a enseigné nous. Alors nous ni Daniel chapitre 12 verset 1 et 2 et suivant. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y aura point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Donc, c'est un fragment. Et nous croyons que là, qu'en réalité, c'est qu'il y a une grande persécution qui... Oui. Jamais. Et ça, c'est important pour nous que... Et c'est ça qui a fait la différence entre et les méchants et puis les sages. Les sages, c'est ça qui prend les bonnes décisions. Et ça, c'est ça qui prend la bonne décision. La première plus grande belle décision qui nous accepte Jésus. Oui, et nous croyons une manière l'évangile qui a prêché ces jours-là. Oui. Eh bien, ni en le monde qui attend, il n'y a pas dit amen, il n'y a pas applaudi, mais il n'y a pas qu'à bouger de doigts. Il y a pas qu'à bouger de doigts. Il y a des gens qui ont 6 ans dans l'église là, des jeunes qui là qui pour prendre position, mais qui n'y a pas qu'à bouger, qu'on dit si le tchèque est venu imperméable. On fait chou. L'eau a failli d'Achine là, la pique a tombé, l'eau n'a pas qu'à percer, il y a un courant là, il y a un courant là. C'est bien dommage, parce que Daniel a averti nous que la période là qui a venu, ça sera une époque de détresse. Maintenant, mais ceux qui seront trouvés écrits dans le livre de vie, pourquoi non écrits dans le livre de vie, on ne peut pas né dire maman et puis dire papa et puis dire que non écrit dans le livre de vie. Il faut tout connaître en deuxième naissance. C'est Jésus qui dit, dans Jean 3, il dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Nous allons faire un dernier point là, et puis, puisqu'elle est à courant les noms, mais Proverbe 1, verset 7 dit, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, de la connaissance et de l'intelligence. Alors, caractère et communauté. On nous fait un point là, Éphésiens 4, 11, 16. Qui c'est qui a dit nous? On laisse à nous qu'on finit. Oui. Rapidement, Gratien. Éphésiens 4. C'est des belles leçons qu'il a pour montrer nous qu'un moment est arrivé pour nous plonger nous en disant parole, c'était bon Dieu, puis modèle Saint-Esprit, grâce, force, puis. Fait œuvre talent en dit dans chacun de nous. Alors, donc, on lit Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre, du ministère, de l'édification du corps de Christ. Verset 13, c'est l'objectif. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu fait à l'état d'homme, à la mesure parfaite de la stature du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, mais qu'en professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef, Christ. Qui ça nous croit ici? Ici, Paul a parlé nous de la vie en communauté. Ouais. Il a dit nous que le Christ, c'est la tête de l'Église. Il a pourvu des dons et des talents, et nous sommes les membres. Nous sommes les membres du corps du Christ. Nous sommes les membres du corps. Donc, nous pas appelés à vivre notre foi isolée. Assez souvent, nous croyons que ni des gens qui ont dit bon, moi, si je suis périté là, et puis être un bon chrétien, fais ça, si cela. Ça peut être concis si ça entend de guerre, et tu n'as pas de rassemblement. Mais tant qu'il y a des rassemblements, Dieu prévoit que l'Église, c'est-à-dire l'Ecclésia, le rassemblement, maintenant là, pour édifier, pour yon édifier l'autre, yon encourager l'autre. Et c'est comme ça, c'est important pour nous comprendre que la valeur des dons spirituels, il faut que nous fassions ressortir dans les églises. Oui. Puisqu'il y a des gens qui ont excellé en prédication, il y a des gens qui ont dans la prédication, mais il n'y a pas ni bagage pour ça, il n'y a pas ni don. Exactement. Bon, comprendre, c'est peut-être dans la prière, c'est peut-être dans chanter, mais toutes ces dons-là, c'est ça qui a fait. Et la force de la communauté, et puis un puissant témoignage pour Dieu. Et puis l'exercice des dons qui permet que tout le monde développe pour venir à la stature parfaite du Christ. Adam, Éphésiens 3, verset 10, écoutez qu'a dit. Oui. Mais c'est afin que les autorités dans les lieux célestes, connaissent aujourd'hui par l'Église.
c'est-à-dire l'Ecclésia, le rassemblement des fidèles, la sagesse infiniment variée de Dieu. Ouais. Donc, le but de l'Église, le but du rassemblement, et Dieu pourvu l'Église de dons et de talents, maintenant, pour permettre que les autorités dans le lieu céleste sachent comment il y a bon Dieu sage et intelligent. En fait, les communautés doivent être des phares, des lumières, et tu es placé à attirer le regard de tout le monde vers le Christ, absolument, le Christ crucifié, ressuscité et qui revient bientôt. Absolument. On nous prie, grâce à toi, en arrivant là, nous, Papa Dieu, nous disons merci pour le moment là où fait nous passer. Merci, Papa. Merci pour ces paroles là où fait nous, pour fortifier foi nous, aider nous de parler, puisque Jésus qui a dit tout à l'heure, chercher nous. Bénis tout le monde, bon Dieu, qui a étudié parole, qui a manifesté la foi, monde qui a passé dans les épreuves terribles, montrer yo là, yo a épuré, yo a purifié, et yo a préparé pour être paré, pour yo pour vivre l'éternité, pour c'est grâce nous commandons en nom Jésus. Amen. Amen. Amen.